Alors, ce salon Préventica, pour nous, ça représente quoi? Pour nous, ça représente aujourd'hui une avancée, si on peut appeler ça une avancée, Pourquoi? Parce qu'il y a encore 10 ans, on parlait de quoi? On parlait d'accidents de travail. On parlait, ça faisait peur. On était là en train de se demander comment on allait faire. Dans tout ce concept-là, les gens se sont mis au travail. Et aujourd'hui, le côté magique de la chose, c'est que nous sommes en amont des accidents de travail. Nous sommes dans la prévention. J'allais dire dans la guérison avant que ça se passe. Et ça, je trouve ça vraiment magique pour une simple raison, c'est qu'on va éviter beaucoup de choses derrière. On va pouvoir, nous, chambre de commerce, être très actifs par ce biais-là, parce que nous sommes là pour de l'information, mais nous sommes là aussi pour accompagner les entreprises. Et en fait, pour nous, ça va être une nouvelle porte, aujourd'hui très performante, nouvelle porte pour entrer dans ces entreprises-là et pour leur démontrer, quelque part, notre savoir-faire, non seulement là dans la prévention et pour Préventica, mais aussi notre savoir-faire, là je parle pour le Grand Est, dans sa globalité des services que nous pouvons apporter aujourd'hui aux entreprises. Je crois que c'est vraiment quelque chose, en plus quand je vois ce salon avec les participants qui sont ici, je ne vais pas tous les nommer peut-être, mais quand même, la CARSAT qui a fait un travail énorme, naturellement il y a la Chambre de commerce qui est présente, et toutes ces entreprises qui sont présentes aujourd'hui ici, c'est un vrai salon. On est dans la vraie vie, en fait. On est dans la réalité des choses. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me passionne pour une simple raison. C'est qu'il y a encore 10 ans, sur des salons tels que on les connaissait à l'époque, on était un peu en manque de visiteurs, pour ainsi dire, entre guillemets. Les gens venaient moins souvent. Mais aujourd'hui, on voit que ça devient un intérêt, mais vraiment un intérêt global, pour tout le monde, d'être sur des salons tels que ce Préventica ici même. Alors, le prolongement de ça, c'est quoi? Pour l'entreprise, c'est comment? Et c'est quoi? Le prolongement, c'est que, je le disais tout à l'heure, en faisant une comparaison un peu imagée, quand les animaux se sentent bien dans un zoo, ils font des bébés. Alors, on ne va pas tous faire des bébés, hein, mais c'est quand les employés se sentent bien dans une entreprise, ça transpire à l'extérieur. En fait, c'est ça qui est vraiment le côté magique. Les employés se sentent bien, la production se passe, les performances sont là, le dialogue est là. Et quand le dialogue est là, je crois que là, franchement, on a tout vu dans l'entreprise. Et ceci, justement, dans la prévention du risque en plus, ça nous permet d'avancer vraiment aujourd'hui à grands pas vers une sérénité quelque part, vers une vraie sérénité et la vraie vie de l'entreprise qui doit être une vie de symbiose avec tous ceux qui y travaillent. Je crois que c'est ça l'essentiel de ce prolongement-là et qui doit être demain quelque chose qui va être... De toute façon, moi, je m'y fais fort d'appliquer tout cela demain dans le Grand Est.